Un peu d'histoire. Le château a été construit en 1645. À cette époque, le comté de La Celle appartient à la famille Saulx-Tavannes, puis d'Aquin. Vendu comme bien national, une papeterie est installée dans le château. Vers 1835, la demeure est achetée par Alexandre Pelletier, notaire à La Celle-sur-le-Biais. Sa fille, Armanda, épousa Amédée Perrier, également notaire, et en 1906, le château revient à son fils, Alexandre Perrier, procureur à Montargis. Il entreprit de gros travaux et ajoute un étage. En 1935, il laisse l'usufruit à sa veuve. Celle-ci meurt en 1940 sans héritier direct. Le château est légué à la commune pour en faire un asile de vieillards. Cette clause n'ayant pas été respectée, le château revint à Gabrielle Duché, épouse de Henri Sédillot. Château de La Celle-sur-le-Biais est propriété privée et ne se visite pas, hélas.